Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous aide à réussir des belles photos pour votre profil d'application de rencontre. Bon, là, si vous êtes sur une application de rencontre ou si vous avez des amis qui le sont, la vidéo, c'est pour vous. J'ai vraiment à cœur cette mission de faire du monde un meilleur endroit. Et là, j'ai jugé qu'il était nécessaire de faire une vidéo sur un sujet qui avait vraiment besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Jeu de mots volontaire. Là, je juge qu'on est à un stade de notre relation sur la chaîne où on peut se dire les vraies choses. La plupart des photos de ces applications-là... Ok, je vais être diplomatique. Ne rendent pas justice à votre beauté intérieure. Ça fait vraiment dur. J'ai des notes ici. C'est très sérieux la vidéo aujourd'hui. Okay? Je considère qu'une personne qui est sur une application de rencontre est principalement intéressée à rencontrer un partenaire, plus que de rencontrer les enfants de ce partenaire-là. C'est pas de cacher le fait qu'on a des enfants si on en a, mais c'est peut-être pas la première chose à mettre de l'avant sur votre profil. Mettez-vous de l'avant. C'est ça que les gens veulent voir. C'est vous qui veulent voir en premier. Puis après ça, s'ils veulent rencontrer vos enfants, ben là, ce sera à vous de gérer ça. Même chose pour les photos où vous êtes avec une gang de chums, d'amis. Nous, on sait pas vraiment encore qui vous êtes, là. Fait que là, si vous êtes au travers de 10 personnes, c'est pas tant clair. Fait que soit vous pouvez peut-être choisir une autre photo, ou s'il y a seulement que 2 ou 3 autres personnes dans la photo, vous pouvez peut-être mettre un emoji vis-à-vis les visages des autres personnes pour préserver leur intimité à elles. Je sais pas à quel point ils sont consentantes de faire partie de votre profil d'application de dating. Pour vos photos de portrait, ça peut être des photos qui ont été prises par d'autres personnes ou des photos que vous prenez vous-même. Si c'est le cas, j'éviterais fortement l'angle double menton trou de nez pour favoriser un angle un petit peu plus haut. Au lieu de mettre votre cellulaire en bas de vous comme ça, vous le mettez plus haut que vous ou à la même hauteur. Juste ça, je vous dis, là, ça va vous changer la face. J'ai d'ailleurs fait une vidéo super intéressante sur les autoportraits. Je vais vous mettre le lien juste ici. Ben oui! Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Je n'ai pas sur l'ordi, par exemple. Hé, hey, allô, Henri! Mange pas l'écran, s'il vous plaît. Non. Tu veux monter? Vas-y. Là, si vous mettez des photos que vous prenez vous-même, ben c'est pas nécessaire de mettre 5 fois la version exactement de la même photo dans le même angle, de la même journée. Juste une photo, ça permet de comprendre. Ça permet de comprendre. Tout dépendant de ce que vous recherchez comme type de rencontre sur l'application, là je vais parler d'un point de vue de quelqu'un qui désire rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse et stable. Les photos style méga décolleté, en chest qui monte les bras, en bikini, ça peut envoyer un signal mixte. Vous pouvez être fier de votre corps, de votre image corporelle, être bien dans votre peau, c'est super important. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir à mettre ces attributs-là de l'avant? Est-ce que c'est de cette manière-là que vous voulez attirer l'attention d'un partenaire potentiel? Des photos qui parlent beaucoup de vous, c'est des photos qui ont été prises dans l'action ou pendant que vous faisiez des choses qui vous intéressent. Par exemple, si vous aimez jardiner, ça va beaucoup plus parler à une personne qui va voir votre profil de vous voir vous en train de jardiner que de voir une photo que vous avez prise de votre jardin. Même chose pour tous les passe-temps, toutes les activités, les photos de VTT, de moto, de voiture, de lunch de la veille, de bac de recyclage, tu sais, c'est pas très parlant. On veut une image qui raconte une histoire. Vous aimez cuisiner, peut-être une photo de vous dans la cuisine, en train de préparer un bon petit plat. On va dire les choses comme ils sont. Un profil sur une application de rencontre. Et la plupart du temps, ce que les gens vont remarquer en premier, c'est les photos. Donnez-vous une chance, mettez au moins une photo qui vous ressemble. Autre critère important, mettez des photos actuelles. Il y en a qui mettent des photos de v'là 10 ans. Premièrement, c'est un petit peu de vivre dans le déni parce que non, vous ressemblez plus à ça. Puis deuxièmement, c'est de la fausse représentation parce que si la personne décide de vous contacter basée sur la photo qu'elle voit, elle s'attend à voir une personne qui ressemble à la photo qu'elle voit. Soyez honnête dans les photos que vous mettez. C'est super facile de prendre des belles photos avec son cellulaire. Je vous mets juste ici le lien d'une autre vidéo que j'ai fait qui vous donne des trucs pour prendre des belles photos avec votre cellulaire. Le dernier truc ultime, là, c'est un beau sourire. Naturellement, avoir envie de rencontrer des gens avec qui on pense qu'on va avoir du plaisir, qu'on va avoir du fun, qui ont une belle attitude, qui sont positifs. Une belle photo de profil avec un sourire, là, c'est vraiment winner. Si vous voulez vraiment mettre les chances de votre côté,
je vous invite à aller jeter un œil à ma formation « Comment prendre de belles photos avec son cellulaire ». C'est vraiment une formation complète de 60 minutes avec plein de petits modules super sympathiques qui vont vous aider à maximiser le potentiel de photos avec votre cellulaire. Des trucs sur la composition, la lumière, les angles de prise de vue, comment traiter vos photos. Encore une fois, c'est pas du Photoshop qu'on fait, c'est juste de rehausser un petit peu les couleurs, le contraste pour que la photo ressorte bien. Puis si vous prenez beaucoup de photos, comment les conserver? Je vous mets le lien de la formation dans la description. Alors, j'espère que la vidéo pourra aider tous les célibataires du monde à trouver l'âme sœur. Puis si c'est le cas, j'en garde tout le mérite. Bien humblement, j'espère qu'au jour de mon décès, on va se rappeler de moi comme une personne qui a laissé le monde meilleur que ce qu'il était. Si vous avez des questions, des commentaires, des trucs supplémentaires, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!